de vous retrouver ce soir. Alors, je vais pas parler trop fort parce que j'ai mon bidou qui dort à côté. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo improvisée. Puisque à la base j'avais décidé complètement d'aller me coucher parce que en ce moment je suis un petit peu fatiguée, etc. Je voulais me reposer et tout. Le live vient de commencer, Ellie. Donc voilà, je voulais vous faire un coucou Lucie, un petit live pour vous expliquer YouTube, répondre à vos questions si vous en aviez et tout ça et tout ça. Coucou Justine et puis pour papoter un petit peu, mais majoritairement aussi pour clairement vous parler de YouTube, celles qui veulent des infos. Coucou Laura, coucou Manoa, coucou Audrey, oui Laura je t'en fais plein de bisous. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de YouTube, comment ça se passe, comment gérer, Ticia coucou, vous donner des astuces peut-être pour vous gérer pour les nouvelles sur YouTube, votre chaîne, coucou Bessie, coucou Perhaps. Je vais un petit peu, je sors de la douche, coucou Julie, toi t'es la meilleure. Coucou Jennifer, tu arrives au moment où j'allais aller dormir, bonne nuit. Bon bah alors je te fais un gros bisou et puis je te souhaite une bonne nuit, si toutefois tu veux pas voir le live mais regarder le replay. Donc je vais clairement me préparer un petit peu, je sors de la douche donc voilà, dommage je dois aller me coucher, demain j'ai cours. Bisous Laura, toujours aussi belle, merci Justine pour tenter, voilà quoi. Delphine, bonsoir, donc voilà, répondre un petit peu à vos questions. Donc là c'est mon eau florale de Sanoflore, la rose. Alors évitez de m'envoyer des messages quand je ferme les yeux, parce que clairement je verrai pas ce que vous me dites. Coucou la fleur féminine, coucou, je voulais devenir youtubeuse mais beaucoup d'insultes apparemment et mon apparence je ne l'assume pas, donc je suis en doute, je suis dans mon lit en cachette. Oh mon cœur, coucou Julie. Alors clairement oui, il faut que tu sois blindée si tu veux faire YouTube à te prendre des insultes en pleine face. C'est la dure réalité, on peut te dire que t'es grosse, on peut te dire que t'es moche, on peut te dire que t'as des cratères sur la gueule comme moi, et excusez-moi du terme vulgaire, mais clairement voilà, on peut te dire toutes ces choses-là, mais clairement, si tu es structurée dans ta vie personnelle et que tu sais ce que tu vaux, en général, ça te détruit pas, ça ne peut te permettre que d'avancer. Mais après voilà, il faut apprendre à bloquer ces gens-là, quitte à perdre des abonnés, bien entendu, hein, parce qu'il y a des gens qui s'abonnent juste pour être méchants avec vous. Donc, il faut juste bloquer ces gens-là, éviter qu'ils viennent t'embêter sur ta chaîne, quoi. Donc, une fois que j'ai passé mon eau florale, je viens avec mon démaquillant Aven pour peaufiner le démaquillage de mes yeux. J'ai également commencé YouTube il y a quelques mois, mais avec mes 52 abonnés. Alors oui, Julie, j'avoue, c'est un travail de longue haleine pour justement avoir des abonnés, je te le confirme. Moi, j'ai pas énormément d'abonnés, après je m'en contente parce que vraiment c'est pas mon métier. Et alors Isabelle, bonsoir la vie en rose, je t'adore toujours autant, en fait je t'admire, j'aimerais vraiment être comme toi, pourtant je suis beaucoup plus vieille que toi et toi tu as confiance en toi, pas moi. Bah non Isabelle, faut juste que tu saches en fait ce que tu vaux dans la vie et que YouTube en fait c'est une vie aussi virtuelle. Donc si t'es équilibré toi dans ta vie, forcément t'auras confiance en toi, tu vois. L'amour aussi ça fait beaucoup dans l'histoire. Coucou Karima, salut ma belle, ça va et toi? La fleur féminine, j'ai filmé 3 tutos et je n'ai jamais posé alors que la chaîne est créée, mais je suis ronde. Attends, excusez-moi, j'ai la voix grave, donc je n'ai rien publié. Mais faut oser, en fait. Coucou, monde de princesse. Oh, merci, je t'aime, bisous. Donc, je me démaquille le reste de mes yeux avec le lait démaquillant, voilà, de chez Aven. En fait, voilà, il faut croire en vous et en ce que vous faites, parce qu'à partir du moment où c'est une passion, et vous, voilà, même si vous ne savez pas forcément à chaque fois telle ou telle technique, vous proposez votre contenu à vous, et après, tout le monde sait très bien que les choses sont faites de telle sorte à ce que, de toute façon, celle qui est pas contente, eh ben, elle vous suit pas, et puis c'est tout, quoi. Moi, j'ai juste l'amour que de mon fils, mais c'est... Voilà, c'est le plus important. Donc, il faut que tu aies confiance en toi, si lui te dit que t'es belle, voilà. Bonsoir, tu viens de gagner un abonné avec moi. Oh, merci, Larry, t'es trop adorable. Valérie, salut, ma belle. Coucou, j'adore ton pyjama, trop cool. Ouais, t'as vu, je suis en pilou-pilou, hein. J'allais aller au lit, et je me suis dit, ben non... même monsieur la vie en rose, enfin la vie en bleu lui il veut qu'on l'appelle, il m'a vu tracer dans le salon, il m'a regardé, en gros je lui ai dit, hein, ça se voit que j'ai une idée de génie là.
Tu vois. Bon, je lui dis, t'inquiète pas, je vais filmer du coup. Tu es belle démaquillée. Oh, merci Manoa, t'es adorable. Le boulot, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien, Karima, super. Je suis vraiment contente. Je suis heureuse de. Voilà. Je suis heureuse de. Voilà, de travailler avec eux et franchement, c'est génial. Je regarderai la rediff demain alors. Bisous, Justine. J'adore ta simplicité. Merci, t'es franchement adorable parce que c'est ce que je me tue à dire à tout le monde, c'est qu'il faut rester simple dans la vie et pas se prendre pour je sais pas qui. Et voilà, et c'est juste le béaba en fait. Alors, coucou ma chérie, trop contente que tu aies un travail qui te plaît. Mille bisous et un like pour toi, ma choubidou chérie. Merci ma Sibylle, c'est super adorable, sachant qu'aussi toi, tu as été l'une de celles qui m'a remonté le moral quand ça allait pas. Et j'ai aussi une mouche qui s'est invitée dans le live, donc vous la verrez certainement se balader. Coucou ma belle, je voulais juste te dire que de ne jamais changer car tu es magnifique, tu es quelqu'un de très ouverte et sociable et j'espère qu'Hugo va bien. Bonne continuation. Merci, soit t'es adorable. Oui, il va bien et moi je compte pas changer en fait parce que je suis très bien avec vous comme ça, donc voilà. J'ai pas suivi, tu bosses dans un nouveau truc? Oui, tout à fait. Je travaille maintenant dans une entreprise qui fait des objets publicitaires pour les enseignes et les marques qui proposent voilà, des solutions de communication pour les marques et qui propose aussi de l'événementiel pour les marques. Voilà. Tu as l'air épanouie, ça fait plaisir à voir plein de bonnes choses encore. Merci Ticia, c'est trop gentil. Trop bien alors, t'es trop forte pour faire les lives. Oh mais non, c'est trop. Non mais je me mets juste devant ma caméra comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Et c'est vrai que bah, j'adore partager avec vous donc. C'est vrai que voilà, je peux pas me faire autrement en fait. À chaque fois que je pense à vous, j'ai envie de filmer, j'ai envie de faire des lives avec vous, donc voilà quoi. Oubliez pas de mettre un pouce bleu sur son live. Merci Sybille. Alors, c'est Rachel, je pense, RCL. Je pense que c'est Rachel. Je t'aime beaucoup. Je n'aime pas spécialement les vidéos de beauté, mais sur les soins, j'adore. Je t'aime beaucoup. Gros bisous, ma belle. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Coucou ma belle, coucou ma JC, c'est top, ça doit être trop intéressant, puis de bosser dans un hôpital comme moi. Oh, que de bosser. Non, pas particulièrement, tu sais, toi tu fais un magnifique métier aussi, hein. Je vais utiliser l'Aqua Hypnotica pour voilà, les yeux. Coucou Mona, oui ça va bien et toi? Félicitations pour ton. Oui, mais vous savez, en fait, là, je devais vous parler de YouTube et en fait, on parle plus de mon job. Mais merci Valérie, c'est vraiment adorable. Un travail qui t'épanouit, un truc de dingue, ça se voit. Bah ouais, je suis contente, vraiment. Où as-tu acheté ton miroir? Alors, je te le mettrai en barre d'infos. Il est d'ailleurs dans la barre d'infos de mon ancien live. Et ici, en fait, vous le verrez pas, mais je l'ai cassé. Hein, je suis dégoûtée. Tu le trouveras sur Amazon. T'es pas trop fatiguée? Je suis crevée. Mais crevée, tu es crevée. Clairement, j'en peux plus en ce moment. Je te jure. J'essaye de tout cumuler en même temps, mais tu nous feras un rangement maquillage. Dès que tu vois là, c'est plein de bazar. Alors, bonne nuit, faites tous de beaux rêves. Bah, bisous ma belle. Bisous monde de princesse. Bonsoir Elodie, moi tout. Je ne vois que d'un œil. Tu vois le souci, c'est que je filme avec mon tel. J'ai pas trop de matériel. Ben moi, je filme avec mon téléphone aussi. Hein. Depuis que j'ai eu mon problème avec mon ordinateur, je fais tout avec mon iPhone, avec iMovie et mon iPhone. Et tout est filmé avec la qualité HD de mon téléphone. Donc t'inquiète pas, c'est pas parce que tu as pas trop de matériel que tu peux pas faire de belles vidéos. Au contraire, et d'ailleurs c'est la personnalité que tu vas dégager qui va être importante, parce que si tu te mens à toi-même, etc., que tu essayes absolument de dire du bien à chaque fois des marques et tout, eh ben les abonnés, c'est pas des. Tu vois, ils sont pas folles, quoi. Elles voient bien que c'est faux, quoi. Et d'ailleurs, voilà, ça a joué certains tours à certaines filles, quoi. Après, j'ai pas d'idée en tête, hein, particulièrement, parce que j'avoue que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé, du coup. C'est vrai que là, les vidéos YouTube, je regarde pas trop. La concurrence non plus, si vous voulez parler de concurrence, mais non, je vous avoue que là, pour le coup, non. Là, je suis dans ma bulle. Je suis avec vous, je suis dans ma bulle, je suis bien, et voilà, quoi. Après, moi je veux bien que tu parles des astuces pour gérer YouTube. Alors, bah, clairement, j'utilise un site internet. Et j'en ai deux maintenant de mouches. Non, mais un truc de ouf quand même, les gars. Je sais même pas d'où elles sortent, quoi. J'ai un site internet qui me permet de gérer mes vidéos YouTube. Alors, par contre, il est en anglais. Donc, je vous mettrai bien entendu le lien dans ma barre d'infos pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Et en fait, vous pouvez gérer toutes vos vidéos, par exemple, en masse.
C'est-à-dire que vous cliquez sur les vidéos que vous voulez, comment dire, modifier en masse. C'est-à-dire si tu veux rajouter un truc dans ta barre d'infos que tu as oublié de mettre sur toutes tes vidéos, par exemple, on ne sait jamais, et que tu veux le faire d'un coup, eh ben en fait, c'est un plugin sur Chrome qui te permet, voilà, de tout gérer d'un coup. Et c'est super simple et ça fait gagner un temps, mais mon Dieu, le temps que ça me fait gagner, ce site internet, il est juste génial. Donc bien entendu, ben, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que c'est super important. Puis moi, j'aime bien partager avec vous mes astuces, donc voilà. Faut se reposer, ma belle. Bah ouais, mais j'y arrive pas, je vous aime de trop. Même tes tutos, oui, même tes tutos, je filme tout avec mon téléphone. Ton fils dort, oui, ma belle. Coucou, ça va? Coucou, Mimi, oui, ça va et toi? Abonnez-vous à ma chaîne. Oui, bah ça, c'est pas nécessaire non plus parce que finalement, t'es gaming, donc t'as rien à faire sur une chaîne de beauté. Hein. Voilà. Moi, je filme avec un APN, un miroir derrière pour le retour et puis un montage Filmora. Mais clairement, je valide ce que tu dis. L'important, c'est d'être honnête. Ouais, et bah finalement, c'est pas bête hein, le miroir derrière. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Coucou, pourrais-tu me faire une vidéo pour les palettes à... Non, c'est terminé. Je ne ferai plus de vidéos sur ce site-là. Je me suis fait striker, donc clairement, et je voulais vous parler aussi de ça. Quand vous avez un strike sur votre chaîne, il vaut mieux arrêter de publier par rapport au contenu qui a été striké. Et en fait, un strike, c'est tout simple. C'est une de vous, par jalousie ou par je ne sais pas. Hein, enfin, une de vous, non, hein, pas toutes mes abonnées, mais qu'un rageux, une rageuse, un hater qui est passé par là et qui a juste dénoncé ma vidéo à YouTube, donc je me suis pris un strike. Mais clairement, vu que je ne ferai plus du tout de vidéos de ce site-là, du site Voldemort, voilà, ça pose pas de soucis. Dégage la mouche, ouais, j'aimerais bien. rends hello, dis-moi tout. Coucou Laurie et Letty, APN, appareil photo numérique. Ouais, bah oui, mais bon, franchement. Comment tu vas? Bah ça va et vous les filles? Muriel, bonsoir. Coucou Malélie d'amour, j'arrive. Ah, coucou Malélie. Ça a coupé, c'est quoi un strike? Un strike, c'est dès lors que vous faites une vidéo qui est en dehors, qui est considérée comme... Oh, excusez-moi pour la mouche. J'arrive pas. Bref, une vidéo qui est considérée comme hors de la réglementation en gros de YouTube, tu te fais striker. Donc tu as un avertissement YouTube. Et ce qui fait que ben YouTube arrête de te promouvoir. Donc là j'utilise mon contour des yeux Regard Hypnotica de chez Sanoflore. En fait, YouTube arrête de te promouvoir pendant un moment et tu gardes ton strike pendant 6 mois. C'est-à-dire que si tu te fais restriker 2 fois, tu perds ta chaîne YouTube. Bon après, il faut que ce soit quand même... Les gens, il y en a plein qui s'amusent à striker les chaînes gratuitement pour rien. Sauf qu'il y a des gens derrière YouTube et qui vérifient la véracité de ce qui est dit lors du strike par les internautes, tu vois. C'est-à-dire que si t'as rien à te reprocher, YouTube va pas supprimer ta chaîne. Mais c'est clair que du coup, la suppression de chaîne, ça, au bout de 3 strikes, au bout de 3 avertissements, ta chaîne est supprimée de YouTube. Voilà. Franchement, ils n'ont que ça à faire. Oui, Lélie, je te le dis clairement. Ils n'ont que ça à faire. Voilà. Il y avait Sarah Messa qui s'est fait supprimer sa chaîne complètement. Et pendant un moment donné, il y avait quelqu'un qui s'amusait. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu es striké, personne ne te dit qui est derrière le strike. Donc, tu n'as aucun pseudo, aucune chaîne qui apparaît. Voilà, c'est totalement anonyme. Et voilà mon problème, c'est que finalement, moi, j'ai rien fait et je me fais striker, quoi. Bref. Mais comment ça se fait que tu aies eu un strike? Parce que voilà, il y a quelqu'un comme, bah, je sais pas, peut-être que qui a pas de chaîne, qui est bête, qui veut se venger de moi, ou franchement, coucou Sylvie, comment tu vas? Bah ouais, ça va. Bah ouais, c'est abusé, les filles, parce que franchement, il y en a qui s'amusent à ça, en fait. Et puis, je vous dis, vous n'êtes pas à l'abri, parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que vous et qui veut que en gros vous... Alors là je balance hein, clairement, pas les noms, mais il y a des gens qui font ça en fait, ils sont jaloux si vous voulez. Moi je m'en fous, j'ai pas beaucoup d'abonnés donc il n'y a pas à être jaloux. Mais je vous dis même pas ça nana, c'est tout ça le nombre de strikes qu'ils ont par jour. Enfin comment dire, d'attaques.
qu'ils ont par jour à cause de ça. Donc là, toujours Sanoflore, je prends la crème des reines et l'élixir des reines. Alors franchement, ça sent trop trop bon, ça sent le miel, ça sent trop trop bon. Et j'adore le passer le soir quand j'ai pas trop d'imperfections. Là, ça va, j'avais la version Magnifica pour les jours de boutons. La méchanceté des gens, qu'est-ce que c'est? Que des rageux. Ouais, non, mais après, moi, je m'en fiche, hein, parce que je sais que dès lors que moi, je ne fais rien de grave, et là, je savais que c'était une vidéo qui était à risque, mais après, je veux dire, clairement, pendant les 6 mois, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque je ne fais jamais, je n'insulte jamais, je n'incite jamais à la haine, je ne fais pas la promotion de contenu. Haineux, ni grave, ni qui va à l'encontre du règlement du YouTube. Donc les 6 mois, ça va passer vite, hein, clairement. Je ne m'inquiète pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, ça vous prouve qu'il n'y a pas que des gens gentils sur YouTube. Il n'y a pas que des YouTubeuses non plus gentilles. Parce que c'est clair que. Bah, après, je nomme personne, je ne sais pas. Hein. Mais. Je suis sûre qu'il y a des filles, voilà, derrière qui commencent YouTube, qui veulent, voilà, voir un peu ce que ça fait d'essayer de se taper celle qui a devant elle, et voilà. Moi, bon, après, j'estime que YouTube, c'est pas une course, hein. Donc, moi, j'adore les filles avec qui je partage des choses, enfin, voilà, j'aime bien Valérie, voilà, j'avais promu aussi Gaëlle de la chaîne... Alors, je sais pas, je sais plus, je crois qu'elle a renommé sa chaîne en Gaëlle. Après, il y a Mekiti Rose, voilà. Enfin, moi, je suis pas comme ça, mais bon, après, c'est comme ça. Après, il y a Justine Chanel, il y a voilà, des filles que j'aime bien, que j'ai rencontrées, que je trouve sincères. Voilà, que j'aime bien, quoi. Donc, tiens, Gaëlle est là d'ailleurs. Coucou les filles. Ah, tu vois, je te dis. Donc, voilà, des filles comme ça, je sais que je. Voilà, tu vois, c'est pas. Voilà quoi, donc clairement. Alors Gaëlle pourra le dire, hein. Franchement, il n'y a pas que des gentils sur YouTube. Hein. Mais bon, moi je m'en fous, je suis dans ma bulle, comme je dis. Elle en fait partie aussi de ma bulle, parce que je l'aime beaucoup. Il y a Sonia aussi qui fait partie de ma bulle, que j'aime de la mort. Voilà. Il y a des moyens qu'on dise que c'est pas vrai. Non, il n'y a aucun moyen en fait. Je crois pas qu'il y ait de recours, à moins qu'il y ait un petit encart où tu peux cliquer, mais moi perso, je ne l'ai pas trouvé. C'est vrai, trop mimi ton pyjama, il a l'air trop confortable. À 8, tu aurais une astuce pour les peaux grasses. Bah, les peaux grasses, à part tout ce qui est Aqua Magnifica pour Sanoflore qui marche bien sur moi, voilà quoi. Forcément, les courageux sont derrière leur écran. Bah ouais, un peu pour tout en fait. Tous les haters en fait sont vachement courageux. C'est des rageux, c'est pas la première fois qu'on t'emmerde. Alors non, mais après voilà, moi je suis pas quelqu'un qui pose problème en fait. Et je pense que c'est ça qui les fait rager, c'est que je réponds pas. Parce que vraiment, je m'en fiche. Voilà, tout simplement, parce que je sais qui est derrière les vrais, mes chéris d'amour, quoi. Donc, je m'en fiche. Tu as peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais tu nous as, c'est plus... Ouais, c'est clair, c'est le plus important. Coucou, Ludy. Ouais, donc, je t'avais vu passer, ma belle. Coucou, Gaëlle. Tu les coupes quand, tes cheveux? Au mois d'octobre, normalement. Et donc, dans pas longtemps. Si j'ai le temps d'aller chez le coiffeur, parce que maintenant que j'ai repris une activité, je fais du 9h-18h. Entre les deux, le matin, bah, j'emmène Hugo à l'école. Et puis le soir, bah, je rentre, j'ai une demi-heure de route, donc je rentre. Il est en général 7h, 7h moins le quart. Et le temps que je fasse à manger, tu vois, la journée va vite. Donc pour me trouver un créneau dans le mois d'octobre pour me couper les cheveux, on va dire que ça va être tendu, hein? Tendu, tendu. Mais bon. Même si c'est pas le mois d'octobre, ce sera un peu plus tard, je ne sais pas. Après, on t'aime ma chérie, moi aussi je vous aime, mais en fait on parle pas de YouTube finalement presque. Toi au moins tu es naturelle, les autres c'est déformaté. Ouais, mais non, je pense pas. Je pense pas, ma belle, parce que vraiment, je pense que chacun a son style et a le droit d'exister sur YouTube, tu vois. Il y a de la place pour tout le monde en fait. Tu n'es que amour, Maludie, et nous fais des vidéos sublissimes et forcément jalousie quand tu nous tiens. Après, vidéos sublissimes, non, je fais juste ce que je peux avec ce que j'ai, je vous avoue. Après, j'ai jamais eu une panne d'inspiration par rapport à mes créations YouTube. J'ai pas eu besoin d'aller voir sur d'autres chaînes ce qui se faisait pour copier ou machin. Et à chaque fois qu'il y a une chaîne qui me donnait envie de faire une vidéo, je la mentionnais en barre d'infos. Voilà. Après.
Pardon. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Sophie. Elle me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'astuces beauté. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses maintenant qui se voient au niveau amélioration voilà, sur ma peau. Donc, je vous invite à aller voir sa page Facebook. C'est Beauty by La Mistinguette. Et puis sur Instagram aussi, c'est La Mistinguette, donc n'hésitez pas. Mais je vous mettrai les liens dans tous les cas. Et vraiment, voilà, on échange et puis ça me permet d'avoir aussi des choses qui me permettent voilà, d'améliorer moi, ma peau, etc. etc. Mais ça leur sert à quoi, sérieux, ma pauvre poulette? Ben, en fait, à te virer de YouTube. Ben, ça leur sert à ça, en fait. Mais clairement, il faut juste être nature, s'entourer des personnes qu'on apprécie, c'est tout. Ouais, en fait, il faut avoir ta bulle, mais ça n'empêche pas en fait les autres de te faire du mal. Mais en fait, faut s'en foutre. Parce que moi, j'estime que si ma chaîne est demain supprimée, salut la mouche, en fait, j'en ferai une autre. Tu vois le truc? Donc en fait, elles auront rien gagné parce que, voilà, je serai toujours là. Et je pense que celles qui ne me verront plus du jour au lendemain s'inquiéteront quand même, tu vois, de ne pas me voir. Et c'est pour ça que quelquefois, je vous dis, j'insiste vraiment pour que vous alliez vous inscrire sur Instagram et me suivre, parce que s'il y a un problème, bah si vous êtes soit sur Instagram, soit sur Facebook et vous me suivez sur l'un ou l'autre des réseaux, et que d'un coup d'un seul, il n'y a plus de YouTube, que vous ne me trouvez plus, que j'existe plus pour vous, c'est qu'il y aura eu un souci. Et à ce moment-là, je pourrais vous prévenir ailleurs. Vous voyez la logique? Donc, bien entendu, c'est la vie en rose pro. C'est la vie en rose officielle sur Facebook, la page Facebook. Et c'est la vie en rose pro avec un seul E entre I et N, la vie en rose, il n'y a qu'un E sur Instagram. Donc bref. Alors attendez parce que j'ai plus suivi. Hein. Attends parce que je suis perdue. Vous allez être trop vite pour moi. oui, il y a aussi des pas gentilles personnes, mais tant pis pour eux. Ouais, c'est vrai ma chérie. Je te trouve un peu en mode fatiguée ce soir, mon Kinder d'amour. Oui, mon cœur, je suis fatiguée. Je te jure. Salut, ma petite soeur. Salut, Cri-Cri, ça va? Ah oui, t'as des grosses journées, va te reposer, ma belle. Mais non, mais c'est vrai, j'ai des grosses journées, mais je peux pas m'empêcher, en fait, de partager avec vous parce que vous êtes une part de ma vie, et voilà quoi. Tout à fait, il y a de la place pour tout le monde, des contenus variés, etc., pour tous les goûts, donc faut pas se prendre la tête. Ouais, c'est clair, mais il y en a qui se la prennent, donc voilà. Salut, quel bonheur de te voir en rentrant du taf. Oh, merci, ma petite Jeanne d'amour. Mais tout ce que tu fais, c'est toujours réalisé avec brio, oui. Ouais, non, mais va pas. Non, je vais plus rentrer dans mes chaussures après, arrête. Oubliez pas de mettre des pouces bleus. Merci, ma Sibylle d'amour. S'ils font ça, on fait une pétition. Mais de toute façon, peu importe, ça fonctionnera pas. Parce qu'ils s'en fichent. À partir du moment où ils estiment que t'as violé les règles fondamentales du YouTube, tu vois. Oui, pouces bleus, merci, Laurie Letty. Salut, la mouche. Décidément. Et oui, nous aussi, on sera toujours là. Ouais, bah ça, c'est le principal, ce qui me remonte le moral, quoi. Juste savoir tes produits maquillage, tu les as achetés, si c'est pas indiscret. Lesquels? Tout ça? Alors ça, non, c'est Maybelline New York qui me l'a envoyé, mais tout ça, les Kat Von D, tout ça, oui. Oui, clairement, j'ai une collection de ouf. C'est fait, le pouce bleu depuis le début. Merci, mon cœur. Quelqu'un peut me résumer rapido, s'il vous plaît? Ben en fait, non, je parle juste en fait pour celles qui veulent faire YouTube, de ce qu'il faut faire, pas faire, mais bon, en fait, ça a dévié sur autre chose. Donc, mais à la base, j'avais fait cette vidéo pour vous aider dans YouTube si vous aviez une chaîne, par exemple. Tu vois? Je vous adore et j'aime vos vidéos. Merci Elodie, t'es adorable. On t'aime, moi aussi je vous aime. Karima, ok. Des bottes, tu mettras. Attends. Des bottes, tu mettras alors si les chaussures ne vont plus. Mais non, justement, les bottes, t'es plus serrée dedans. C'est encore pire. Faut mettre des tongs. Donc là, je prends ma crème pour les mains, les délices de Nocibé. C'était la collection de Noël et j'aime beaucoup parce que ça sent la confiture de lait. Donc j'avais envie de cocooning ce soir. Coucou ma belle, on sera toujours là pour toi. Moi, je vous aime de trop. Alors merci Marlène de ton soutien parce que c'est vraiment ça. It means so much for me, tu vois, en anglais on dit. Ça représente tellement pour moi. Ah oui, as-tu des astuces à nous donner? Alors oui, déjà, la première et la plus importante des choses quand vous avez une chaîne YouTube, on va revenir au sujet de la vidéo quand même, excusez-moi, mais bon, il y en a voilà, qui regarderont cette vidéo pour ça. Donc là, voilà, c'est une crème pour les mains. La première et plus importante des choses, c'est d'être vous-même. Si vous essayez de copier quelqu'un, ça va juste pas passer. Les gens, ils vont capter que vous les prenez pour des. Voilà.
Je t'ai pas trouvé sur Facebook. C'est La Vie en Rose officielle. Voilà. Ça me fait du bien ton live après une journée chargée avec enfant. Bah oui, je me doute parce que moi aussi, ça me fait du bien de vous retrouver après enfant, maison, boulot, miam miam, douche. Enfin, tu vois tout quoi. Ça me fait trop du bien en fait de voilà. Même si je suis complètement moi, complètement vierge. Voilà. C'est dit. Elomi, je te suis depuis longtemps en silence. J'écoute tes astuces YouTube. C'est sympa de comparer nos expériences, même si on n'est pas dans la même, dans le même domaine. Bah ouais, c'est clair. Merci, Fancy Popette. Coucou, Je cherche, Isabelle. Ah, ok. Non, mais tu risques de trouver, hein, clairement. Mais il y a... Je sais pas s'il y a le lien dans ma barre d'infos, peu importe. Il y a le nom clair et net de mon Facebook sur la barre d'infos. Donc voilà, alors la deuxième chose, et je vous ferai une vidéo bien entendu avec montage en reprenant les points, parce que clairement les gens vont pas se taper 30 minutes pour entendre juste ça, tu vois. Mais je vous ferai une vidéo structurée avec ces points-là à ne pas négliger quand vous êtes sur YouTube et que vous avez une petite chaîne. Des choses que moi, même les gens sur YouTube ne disent pas. Ils n'ont pas envie que... Le mot du jour sera amour. Oui, mon cœur. Voilà, les gens ne disent pas, ils n'ont pas envie que les plus récentes filles qui arrivent réussissent ou je sais pas. Alors, la première des choses, coucou, bah, bonne nuit, ma perhaps. La première des choses aussi, donc, c'est de rester vous-même. Ensuite, de ne pas essayer de vendre un truc à tout prix parce que ça va se voir et franchement, vous n'aurez aucune crédibilité. Il faut rester honnête avec soi-même, honnête avec les gens qui vous suivent parce qu'ils cherchent ça en fait. Clairement, ils ne cherchent pas ce que vous les baladiez, sinon ils vont regarder la télé et se taper les publicités que vous avez. Surtout aussi, mentionnez vos partenariats parce que ça va vous jouer des tours. Les gens, quand ils voient qu'il y a de la pub cachée quelque part, franchement, ils le voient et clairement, ils vous torpillent à la fin. Voilà, ils vous suivent pas et en plus ils vous font mauvaise réputation. Parce que je veux pas dire de gros mots, donc voilà quoi. Je voudrais pas que ce soit mal interprété, voilà. Bonne nuit Muriel et Perhaps, voilà. Donc voilà, ne pas, toujours mentionner vos partenariats parce que c'est important. Faites de beaux rêves, à très bientôt ma belle. Ah oui, j'ai remarqué que les youtubeuses switchaient leur maquillage, ça fait ça, oh my god. Quelle pigmentation de ouf avec leur... Ah, elles switchaient leur maquillage. Donc en gros, entre youtubeuses, elles se les échangent. Ah bah, tu vois. Gaëlle, vas-y, je te fais un colis. Tu me fais un colis, je t'envoie un colis. On switch le maquillage. Ah, truc de ouf. Bon, ça, on n'est pas embêté. On est trop petite chaîne. Pourquoi? Pour mentionner les partenaires? Mais attention, les filles, c'est pas parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'abonnés que vous n'avez pas de pouvoir, en gros, de décision ou de prescription sur les gens. Donc, avoir un pouvoir de prescription, pardon, sur quelqu'un en marketing, ça veut dire, et je vous décrypte en gros ce que les gens ne vous disent pas sur YouTube, tu vois? Un pouvoir de prescription, c'est-à-dire une personne qui, même si elle n'a pas beaucoup d'abonnés, elle va avoir un taux de réponse par rapport à ses prescriptions, donc ce qu'elle présente, ce qu'elle propose, qui va être fort. C'est-à-dire que t'as beau avoir 1 million d'abonnés, si t'as que 2 personnes sur tes 1 million d'abonnés qui va commander un produit que tu as présenté, t'auras pas un super taux de prescription. Mais si, par exemple, tu as 10 abonnés et que ces 10 copines et que ces 10-là vont passer commande, ton taux de prescription, il est de 100%. Vous voyez le truc? Voilà, c'est du marketing, on vous dit jamais ça. Hein. Aucune youtubeuse vous donnera la vérité hein, sur ça. Mais et les marques, elles recherchent ça. Tu vois, elles recherchent quelqu'un qui a un taux de prescription important. Voilà. Des partenariats, d'accord. Switcher le make-up, sérieux, j'ai jamais entendu ça. Bah, moi, j'ai. Il me semble que j'avais déjà entendu ça un jour. Mais voilà quoi. Oui, un truc de ouf, lol. Non, pas switcher, mais swatcher. Ah, d'accord. J'avais compris switcher comme switcher, échanger quoi, en anglais. Ouais, échanger quoi, d'accord. Oui, Jeanne. et à la fin, quand t'as la palette chez toi, tu dis autre chose. Et à la fin, quand t'as la palette chez toi, tu dis autre chose. J'ai pas suivi Karima, je suis désolée. Aoki, mais ça c'est impossible à prouver, c'est fou tout ce que tu sais.
C'est pas impossible à prouver parce que y a un site qui existe qui te rate, alors qui te case. Il y a des sites qui existent, voilà, pour estimer le pouvoir de prescription de ta chaîne, en gros. Et ça s'appelle, je sais plus comment. Faudrait que je regarde, mais il y a des sites comme ça et qui te permettent de voir, par exemple, combien ta chaîne vaut. C'est-à-dire, en gros, combien tu peux prétendre demander pour une vidéo ou une collaboration ou tu vois. Et ça existe vraiment. C'est un site internet qui est dédié à ça. Et en fait, quand il y a une collaboration, qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir en vous demandant combien est-ce que vous prenez pour faire la pub de tel ou tel produit, on vous l'envoie gratuitement et vous faites la promo, mais combien vous demandez? Alors moi, je demande jamais rien. Parce que j'estime qu'ils vous envoient le produit, donc faut pas quand même les prendre pour des andouilles, hein. Malgré tout, je reste quand même propre, je travaille propre, comme dirait Sophie, je t'embrasse parce que c'est ton expression, donc je t'aime et tu me manques, parce que normalement ce soir on aurait dû être au téléphone, voilà. Alors excusez-moi, j'ai pas, bref, trop gentil, ok, vous vous parlez entre vous. Social Blade, le site, je crois. Je crois que c'est pas celui-là. Le Social Blade, ça te permet de voir la progression, estimation de progression que tu auras dans 6 mois en fonction de tes abonnements du mois dernier. Enfin, basé sur les abonnements des 30, 60 ou 90 derniers jours. Ça, c'est Social Blade, elle te permet de faire une estimation, voilà, de ta progression. C'est-à-dire que s'ils estiment que le mois dernier, tu as fait une progression, par exemple, de 15% sur ta chaîne, ils font une estimation de 15% par 15% jusqu'à la fin de l'année pour te dire approximativement combien d'abonnés tu vas avoir d'ici décembre ou d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc j'espère que ça vous intéresse quand même ce que je vous dis parce que vraiment on aurait des problèmes sinon j'ai pas envie de vous ennuyer, que vous vous endormiez quand même. Ouais mais tu vois, c'est ce qui me désole sur YouTube, j'aimerais faire ma majorité des tutos, moi les... Attends. Désolé sur YouTube, j'aimerais faire en majorité des tutos, moi les partenariats. J'ai pas compris ta question ma belle, je suis désolée. Ça ne m'intéresse pas, le lifestyle, je me tape jamais. Je me tape, j'aimerais... Je m'en tape, ok. J'aimerais faire ce que moi j'aimerais voir, mais ça ne plaît plus. Ah, les tutos, c'est juste une catastrophe, hein. Les tutos, c'est ce qui marche le moins bien. Vraiment. Moi, je les fais très courts, donc ça va. Mais il y a des filles qui les font très longs et clairement, c'est ce qui se regarde le moins. Oh là là là, on ne savait pas tout ça, tous ces trucs. Mais c'est pour ça, moi, je préfère vous le dire les choses, quoi. Je vous ai jamais rien caché, j'ai toujours été super transparente avec vous. Mais si vous voulez des sessions comme ça de travail sur YouTube et tout, je peux vous en faire, voilà, si ça vous intéresse. Et voilà, mais clairement, voilà, c'est... Puis voilà, j'ai rien à cacher, quoi. Donc, effectivement, parler de YouTube, c'est pas tabou pour moi. J'ai des taches brunes sur le visage, auriez-vous des conseils? Merci. Ben, si tu veux, ma belle, j'en ai une là que je n'ai jamais réussi à faire disparaître. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le remède miracle. Je suis désolée, je ne peux pas... Je peux tenter de me renseigner, mais pour l'instant, je t'avoue que, voilà, c'est un peu compliqué. C'est de la magouille pour certaines. Ah, je ne sais pas. J'ai pas été voir. Isabelle, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Mais clairement, voilà, moi je vous dis ce que je sais. Et puis peu importe quoi. J'aimerais faire ma chaîne YouTube. Je suis maman de 4 enfants avec les activités enfants, cuisine et autres. Mais une fois derrière la caméra, c'est pas facile. Oui, il faut que déjà tu apprennes à parler à ton miroir. Je sais, ça fait bizarre. Mais en fait, ça va t'apprendre à avoir le retour caméra en face de toi et à te taper ta tronche, en gros, pendant 5 heures pour un montage vidéo. Ça aide. De déjà avoir l'habitude de se voir, tu vois, et parler pour rien. Tu fais ta première vidéo devant ton miroir sans caméra, tu verras, ça aide. Et pareil, dès que vous vous mettez devant la caméra, souriez. Ça décolle, en fait, là, vos babines, je sais pas comment le dire autrement, ça décolle vos babines. Voilà, vous pouvez même faire des mouvements, voilà, pour avant de filmer, pour bien décoller votre gencive. De la lèvre, voilà, de la chair, de la peau, je ne sais pas comment dire. Et en fait, ça vous évite
d'avoir trop de mal à articuler et de pas sortir les mots facilement en fait devant votre caméra, tout simplement. Donc moi je souris comme ça, avec mes grandes dents, parce que voilà, j'ai un grand sourire, donc voilà, ça décolle assez comme ça, quitte à faire voilà, des grimaces. Et ensuite, ça vous aide à... voilà. Et bien boire avant ou entre chaque prise, parce que le fait de parler beaucoup, 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 ça assèche, voyez. Donc il faut boire. Donc clairement, ça va vous aider pour la diction. Ensuite, d'autres questions, d'autres questions. Là, 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 là. Elles sont capables de dire qu'on... Attends, elles sont capables de dire qu'on truquait bien alors que c'est pas vrai. Oh non, je pense pas, quand... enfin j'espère pas en tout cas. Ah mais carrément, c'est hyper intéressant, on ne connaissait pas tout ça. C'est génial que tu nous en parles. Ben de rien, en tout cas c'est gentil vous de me suivre hein, sur le coup. Oui, merci pour ces infos. Ben de rien. Et du coup, tu monétises tes vidéos. Oui, tout à fait. Alors je vous avoue que je suis comme vous. Hein. J'ai pas un RPM extrêmement élevé. Donc un RPM, c'est un rate per minute. Faut savoir qu'en fait, une youtubeuse est monétisée ou pas. Elle décide de mettre de la pub devant ses vidéos ou pendant ses vidéos de plus de 10 minutes. Parce que avant 10 minutes, enfin moins de 10 minutes, on peut pas, on n'en met qu'une devant ou qu'une derrière la vidéo, mais on peut pas couper les vidéos. Et en fait, plus vous avez une vidéo longue, plus vous pouvez mettre de pub, de coupure pub dans les vidéos. Voilà. Et en fait, le RPM, c'est en gros la monnaie que vous allez vous faire par minute de publicité regardée avant ou après vos vidéos. Voilà, et en général, voilà, ça dépend si on fait partie d'un network, mais en gros, le network va réussir à négocier, en fait, le RPM pour vous, si c'est un bon network. Et puis sinon, bah, vous êtes sur la base AdSense de YouTube, que, voilà, moi, dont je fais partie. Et à ce moment-là, vous avez un rate per minute qui est autour de 3 dollars la minute. Mais voilà, c'est pas non plus des milliers des cents. Hein. Ça veut dire qu'en gros, 3 dollars la minute, sachant que les gens regardent 2 secondes de votre pub, et enfin non, les 5 secondes obligatoires, quoi, avant de se barrer, enfin de switcher. On va dire qu'à l'heure actuelle, je suis à entre 30 euros, ouais, 30 ou 40 euros par mois, en faisant 3 vidéos par semaine, voilà, à peu près. En étant très régulière. Le secret de, voilà, de YouTube, c'est aussi d'être régulier. Voilà, c'est compliqué d'être régulier, mais il ne faut pas lâcher le bout, quoi. Alors, excusez-moi, je reviens à vos... voilà. C'est pas toi qui le dis, c'est moi. D'accord. Absolument, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Et oui, pas de problème pour ce genre de vidéo. Ah bah c'est cool. Et si les miroirs se barrent, on fait quoi? Ben cours. Parce que 7 ans de malheur. Mon fils fait semblant de faire des vidéos YouTube avec ses jouets. Oh, c'est trop rigolo, mais tu sais que mon fils, il me dit « Maman, je te maquille ». Mais il vous l'a déjà fait hein, en vidéo, donc c'est vous verrez que je mens pas. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les dents avant de filmer. Ouais, aussi. Ça aide aussi à décoller. Enfin bref, c'est une astuce comme une autre. Donc en gros, il faudrait que je fasse de la télé-réalité version YouTube. Il n'y a plus que ça qui marche. Parler des activités avec mes enfants, raconter ma vie, ce n'est en aucun cas péjoratif. Non, tu peux faire des DIY, tu peux montrer comment on occupe ses enfants, parce qu'il y a des gens voilà, comme moi qui ne savent pas. À part lui faire faire des gommettes, de la pâte à modeler, voilà, colorier, des activités de... Parce que Hugo, c'est déjà... Enfin, je lui apprends à compter. Enfin, il sait compter jusqu'à 5, il connaît ses couleurs, ses formes, voilà. Enfin, vraiment, voilà, des choses comme ça. Je lui ai acheté des tableaux avec des Velleda où il dit F comme fraise, donc il sait le F, il apprend l'alphabet, enfin voilà, tu vois. Des trucs comme ça, et des gens, en fait, ils savent pas forcément jouer avec leurs enfants, donc pourquoi pas faire des tutoriels ou comment jouer avec son enfant, c'est tout simple, mais voilà. Et la monnaie YouTube, tu dois la déclarer ou créer une entreprise. Alors, il faut absolument la déclarer, bien entendu. C'est interdit de toucher de l'argent en France sans le déclarer. Tu le déclares, il y a un plafond, mais moi je ne le dépasse pas clairement, donc je le fais sur ma fiche d'imposition en fait, annuelle. Tu déclares ce que t'as perçu en fait. Et ensuite, passé un certain montant, tu dois te déclarer en entreprise. Voilà. Mais il faut dépasser un certain montant de gains YouTube, tu vois. Moi, juste, je voudrais te dire une chose. Ok, une chose, c'est sympa.
Un futur make-up artiste, ton petit... Ah ouais, peut-être, je ne sais pas. Coucou Océane. Moi non plus, j'ai pas su, lol. Maintenant, il y a 18 ans, il s'occupe tout seul. Ouais, c'est clair. Bah oui, tu m'étonnes, il doit aller en boîte et tout et tout et tout, mais bon. Donc, bah oui, je peux comprendre que quelquefois, voir grandir ses enfants, c'est pas aisé, aisé. Donc là, je vais passer à mon revitalage, puisque c'est ma cure pour faire pousser mes cils, hein. Moi, j'en suis plutôt contente parce qu'ils n'étaient pas très, 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 très forts quand j'ai commencé la cure. Et je vois des résultats sur... Moi, j'en suis à 12 euros. Bah, tu vois? Donc, clairement, hein, on ne vit pas du YouTube comme ça, hein, par la magie du Saint-Esprit. Hein. Moi, ce n'est pas mon but, je vous le dis, parce que j'ai un boulot. Voilà, moi, c'est pour garder le moral, rester avec vous, voilà, finalement, être bien avec vous et tout ça, tout ça. Hein. Donc, ma belle, j'aime beaucoup ta chaîne, j'ai vu grandir le nombre d'abonnés, j'espère que tu réussiras à percer plus loin. Reste comme tu es, ma belle, j'aime ton naturel. Oh, t'es trop adorable, merci, mais franchement, c'est justement ce qui me fait rester. C'est toi, nuage de sucre, avec ces commentaires-là, en me disant que voilà. Que c'est mon naturel, c'est le fait que voilà, je vous dise tout, que je sois franche. Voilà, c'est ce type de relation que j'ai avec vous qui me fait tenir le coup, quoi. Qui me dit que ça, c'est pas pour rien que je suis là, quoi. Que... Alors, j'ai pas de baume à lèvres. J'ai pas de baume à lèvres. J'ai mal aux lèvres. On fait comment, les gars? Ben, j'ai plein de rouge à lèvres, mais c'est pas des baumes à lèvres. Ah si, j'ai peut-être des baumes à lèvres là, là. Qui traîne là, peut-être. J'ai quoi? Je vais prendre un Kiko. Ils sont pas transparents. Ah, oh, je fais le bazar. C'est un Kiko, mais il est pas transparent, donc je prends un des plus clairs que j'ai. Voilà. C'est le Kiss Balm Pearly le 102, le Pomme Grenade. Est-ce que ça sent vraiment la grenade? Pas vraiment, mais bon. Alors, vous me dites quoi? Puis après, je vais vous laisser, hein, je vais aller faire le dodo quand même. Alors, oui, même pas ces facs de médecine, ça passe trop vite. Ouais, c'est clair, mon cœur. Tu m'étonnes. D'accord, c'est génial que tu nous dises tout ça. Bah, de rien, franchement, c'est un plaisir. Je pense que ce n'est pas trop le débat, mais je m'occupe de mes enfants H24. Ouais, mais moi aussi, hein, pendant 2 ans, j'ai fait que ça. Et ça m'a épanouie comme pas possible. Vraiment, j'ai été heureuse de cette période aussi. Tu passes combien de temps pour gérer ta chaîne par jour? Par jour, entre... Alors, pour répondre aux commentaires, des fois, je suis sur mon téléphone. Donc déjà, je vais mettre à peu près un quart d'heure à une demi-heure pendant ma pause de midi ou dans la journée pour essayer de répondre instantanément à vos questions. Quand je ne peux pas le faire, ben voilà, ou quand on a la flemme, et je vous avoue que ça arrive, hein, je suis tout à fait franche avec vous. Des fois, ben j'ai pas forcément le moral, donc j'ai pas du tout envie de parler, donc j'ai pas envie du tout d'écrire non plus. Enfin, vraiment la flemme complète. Là, à ce moment-là, je préfère ne pas aller sur ma chaîne. Donc il y a des jours où je vais laisser faire, où je vais vivre ma vie, par exemple le dimanche, où j'ai pas le temps. Où je suis pas forcément à la maison et tout. Mais en général, il y a des jours je vais passer 5 heures à tout gérer. Il y a des jours je vais rien faire du tout. Mais en général, si tu veux une moyenne, on passe entre 1 heure et 2 heures par jour. Les jours où tu mets tes vidéos en ligne, bien entendu, c'est beaucoup plus. Moi, les jours où je mets mes vidéos en ligne, je reste 5-6 heures sur YouTube, quoi. Je veux dire vraiment, c'est. Mais attention, YouTube, c'est. Faut pas croire. Moi, je vous ferai une vidéo aussi sur ce qu'il faut avoir comme matériel pour YouTube. Mais vraiment, si ça vous intéresse vraiment ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre YouTube en commentaire. Ce sera le mot du jour. Voilà, pour que je vous fasse ces vidéos-là où bah, je vous dis de manière très concise ce qu'il faut faire, pas faire, les applications à avoir sur le téléphone pour gérer au mieux sa chaîne YouTube. Tout ça, pourquoi pas même aller voir sur vos chaînes, voir ce qui pourrait clocher pour attirer plus l'œil ou les gens à s'abonner, etc. Voilà, si ça vous intéresse que je fasse un peu de monitoring pour vous, honnêtement, il n'y a pas de problème. Je le ferai et je prendrai sur mon temps perso et j'en ai déjà pas beaucoup pour le faire parce que vraiment je vous aime donc voilà. Mais voilà, finalement, je passe énormément de temps
sur YouTube, parce que vous pensez pas, mais le tournage, le montage, les commentaires, les descriptions, les tags, les thumbnails, enfin les miniatures, les écrans de fin, les enfin, ouais, y en a tellement des choses. Et d'où le fait que il y a ce site-là là, dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui me fait énormément gagner de temps, quoi, parce qu'on peut faire toutes les vidéos. Par exemple, si je veux vous rediriger vers un truc que je viens de faire qui est vachement important parce qu'il vous dit plein de trucs, en fait, je fais en sorte à la fin de la vidéo que l'écran de fin, ce soit cette vidéo-là où c'est une annonce très importante, par exemple. Et tu peux faire tes 100 vidéos d'un coup en redirigeant vers cette vidéo-là. Donc ouais, je vous mettrai mon lien, bien entendu. Alors c'est un lien de parrainage, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est normal aussi. Moi, je vous donne une astuce que j'utilise. Et moi, je paye 13 euros par mois, donc j'investis dans ma chaîne YouTube, je paye 13 euros par mois pour ce service qui me permet, voilà, de tout gérer de manière beaucoup plus simple, et ça me fait gagner vraiment des heures de travail, je vous jure, des heures de travail. Donc c'est payant, vous voyez, comme il y a des youtubeuses en fait qui payent des services pour vous faire plaisir. Voilà, c'est dingue, je me serais jamais dit un jour je payerais pour faire un truc qui est quasi gratuit, quoi. Tu vois, en gros je fais du bénévolat et en plus je paye, tu vois. Truc de ouf. Enfin bref, c'est comme si t'allais bosser pour un patron et qu'en fait c'est toi qui mets l'essence et lui il te donne rien. Tu payes la nounou l'essence, mais en fait lui. Non, si, quand même, j'ai les revenus des vidéos, mais c'est vrai que c'est pas grand-chose par rapport à. Voilà. Donc par mois je vais toucher 30-40 euros et j'en donne déjà quasi 15 pour ce système-là qui va automatiser pas mal de choses sur ma chaîne. Voilà. Donc comme quoi, vous voyez, je vous roule pas pour faire de la qualité et j'investis. Voilà. Ensuite, oui. C'est pas mal. D'habitude, je fais ma timide, je parle jamais. Oh mon cœur, mais si, faux! Tu l'as trouvé où ton Revitalash? Car j'aimerais l'essayer. Je l'ai eu sur. Je te mettrai en barre d'infos. Je me rappelle plus. Ah, puis ça veut pas sortir. Ah, je suis désolée, ça veut pas sortir. Oui, c'est pareil, on fait ça car on adore le contact avec les autres. Ouais. Moi, je reste parce que franchement, tu me fais rire, mais comme une folle. Oh, non, mais je sais, mais nous, on se tape des barres de rire, hein, franchement, même sur Instagram. Voilà, je suis la reine de la bourde. Aujourd'hui, j'ai rien cassé, j'ai rien. Voilà, je voulais vous présenter, voilà, cette poudre de Sergio Luis Alvarez, hein, parce que Miss Catastrophe te pose là. Je vais vous montrer. Alors, elle est magnifique, hein. Et en fait, je l'ai ouvert du paquet, j'ai dû jeter le paquet parce qu'il y avait de la terre, de soleil partout. Là, je l'ai nettoyé, mais vous voyez, en fait, il y avait de la poudre partout. Alors, Serge Luis Alvarez, je les adore. Et en fait, c'est pour vous prouver à quel point leurs produits sont de qualité. Parce que dans le packaging, il y avait plein de poudre. Je me suis dit, oh, je l'ai ouverte. J'ai dit, non, mais Serge Luis Alvarez, c'est une marque que je surkiffe. Vous le savez, entre mon Ryan, l'highlight et le blush que j'ai de chez eux, et franchement. Je les adore, mais franchement, je me suis dit, j'ai quasi pleuré en ouvrant le paquet. Et bien, en fait, c'est dans le transport, voilà, dans le transport. Alors, c'est pas grave, j'ai un pistolet à colle que je vais pouvoir. Vous voyez, si vous voyez comment c'est, excusez-moi pour le miroir, mais en gros, il y avait de la poudre. Ben là, je l'ai bien nettoyé, hein, mais bon, en gros, il y avait de la poudre partout, j'ai eu trop peur que ce soit cassé, et effectivement, elle est juste décollée, mais elle est juste canon. Je vais vous faire un swatch parce que vraiment, il y a des petites paillettes à l'intérieur, short de la douche, hein. Et il n'y a pas de sous-ton orangé trop persistant ni de jaune. C'est juste, ça va être juste parfait pour moi. J'ai trop hâte de la tester, mais vraiment. Et quand j'ai ouvert le paquet, ce qui m'a étonnée, c'est l'odeur. Ça sentait trop trop bon, mais j'ai eu trop peur qu'elle se soit explosée dans le colis. Et c'est la teinte Copacabana. Donc voilà, peut-être d'où le fait de l'odeur. Oh, elle est trop agréable l'odeur. Alors, je reviens, bref, peu importe, parce que finalement, je vous parle de mes chouchous en même temps. Surtout les montages. Attendez, parce que là, j'ai plus suivi. J'ai plus suivi. J'ai plus suivi, mes amours. De la vaseline pour les lèvres, c'est super hydratant. Ah, mais j'en ai pas. Tu es une pro dans. Non, je. Alors, chérie Rania, je ne suis pas
pro en maquillage, je le dis tout le temps, je fais ce que je peux avec ce qu'on m'a donné. Alors repose-toi bien, lui dis, et reste comme tu es car tu es super. Mais merci Isabelle, c'est un super compliment que tu me fais là. Comment ça se passe pour les adresses postales quand certains abonnés veulent envoyer quelque chose? Il faut faire comment? Moi, j'ai ouvert une boîte postale, donc en fait elle est libre, tu peux envoyer. Y a des... Parce que moi je ne veux pas donner mon adresse personnelle. Donc je passe par une boîte postale et effectivement ça coûte un certain prix à la poste. Hein. Donc voilà, une boîte postale. YouTube, merci Nuage. YouTube ma belle. Ok, bah ça c'est. Alors j'ai du retard hein, parce que dites donc, surtout les montages ça prend du temps. C'est clair, YouTube, tu es un amour, toi aussi ma cible d'amour. Fanny YouTube, pourquoi ne pas prendre un CM pour répondre aux commentaires? Un CM? C'est quoi un CM? Si. Un CM? Waouh! Alors, à mon avis, j'ai. Tu vois, vous allez m'en apprendre aussi. Je mets 4 à 5 heures pour certaines vidéos. Ouais, ça dépend de la longueur et du poids. Ah oui, ça nous intéresse. Peut-être mettre toutes les vidéos que tu veux. J'avais les regardées parce que je t'aime. Merci, mon cœur. Ah oui, nous aussi, on passe énormément de temps sur nos vidéos. C'est parfois pas simple. C'est clair, la torture. Merci à toi ma belle de penser à nous. On s'en rend pas compte, mais c'est un investissement pour vous. Merci les youtubeuses. Bah après, toutes les youtubeuses n'investissent pas autant que moi je le fais, mais franchement, voilà, c'est important quoi. T'inquiète ma belle, j'irai voir la barre d'infos. Ok, pas de souci. Alors Cynthia, t'as retiré un message. Ok. Alors hello. Morte du rire, mon chaton a sauté sur mon PC, il a déconnecté. Oh mince. Coucou ma rose, waouh, super, t'es en direct. Ouais, ma petite Monique, c'est vrai qu'à chaque fois que tu me cries dessus. Mais je t'entends me crier dessus. Oui, parce que voilà, j'aime bien vous dire ça, que je vous entends me crier dessus. Voilà. Je lis vos commentaires et je vous entends me crier dessus. Voilà. Parce que tu t'arrives jamais à capter un live. Bah là, c'est chose faite. Ça fait déjà 50 minutes que je vous parle quand même. C'est quand même abusé. Community manager, c'est mon job. Ah! Ben en fait, clairement, je trouve que là, pour le coup, un community manager, j'ai pas assez d'abonnés pour en avoir un. Clairement. Je pourrais pas le payer, le pauvre. Et puis voilà, je pense qu'un community manager, ça le fait pas gratuit, hein, clairement. Moi, je travaille pas gratuitement pour mon patron non plus, tu vois. Je t'adore. Oh, moi aussi, je t'adore, Monique. T'es une de celles qui est tout le temps là, quoi. Et puis d'ailleurs, je voulais aussi faire plein de bisous aux abonnés de l'ombre. Voilà, comme ma petite chérie de tout à l'heure qui me dit, moi, que je commande jamais, je suis trop timide. Alors là, j'essaye de chercher mon Tangle Teaser. Enfin, et la mouche, t'en as pas marre, sérieux, va te dormir, t'as vu l'heure qu'il est. Pour me brosser les cheveux, mais bon, clairement, je le trouve pas. Bisous, bisous, ma Julie. Voilà. Donc voilà, je ne le trouve pas, donc c'est tout, je me brosserai les cheveux après. Mais voilà ce que j'avais à vous dire en gros. Après, vous n'avez pas posé des questions trop indiscrètes ou quoi que ce soit, parce que, puis même si c'était indiscret pour certains, pour moi, ça ne l'est pas, donc. Voilà quoi. Alors j'espère que cette session vous aura plu. La mouche qui se fait engueuler. Oui, j'ai pas l'habitude de parler surtout en direct. Lol. Non mais voilà, Nuage, j'adore quand tu es là. Franchement, ça me fait trop plaisir. T'as de beaux cheveux. Oh, de trop beaux cheveux. Merci ma belle, mais bientôt je les aurai plus. Ils sont super longs tes cheveux. Oui, et je vais bientôt les couper. Va dormir la mouche. Ouais, c'est clair, va dormir quoi. T'as vu l'heure qu'il est quand même. Il est 11h moins le quart. Alors, j'aimerais savoir si l'heure, et même pour celles qui sont en replay, si je vous fais des lives à cette heure-là, ça vous dérange pas ou vous préférez le matin. J'en ai fait le matin avant d'emmener Hugo à l'école et c'est vrai que j'avais moins de monde que de le faire le soir à 9h. Donc, à savoir un petit peu ce qui vous. Oh, la mouche, Cynthia, je te jure, c'est juste, ça me perturbe. Et ça me perturbe, ça me gave, quoi. Tu sais, le truc, la fille, elle essaye de faire des vidéos à chaque fois super, voix carrée, machin, trop bien, bien être habillée et tout. Et là, t'as une mouche qui vient tout gâcher, quoi. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, c'est mieux. Ah ouais? C'est mieux quoi? Ah, l'heure! Mais j'ai cru la mouche. J'ai cru que tu me disais. Moi, ça me dérange pas la mouche, au contraire, c'est mieux. Tu vois, le truc, le timing parfait, tu vois. Où j'aurais pu croire ce que tu me dis, mais non. Ouais, non, l'heure, ouais, c'est clair. Moi le soir, ok. Le soir c'est super, au moins les loulous font dodo et peuvent suivre tranquillement. Ouais voilà, je me dis ça aussi. Le soir parfait quand je rentre du boulot. Ben voilà. Donc ben, j'essaierai de faire un maximum le soir. Voilà. Pour que ça puisse vous plaire. Voilà.
Quand je te vois, tu me touches, t'es trop belle d'amour. Oh mon chat, tu m'as fait une cargaison de cœur, de bisous et de tout, de fleurs et de tout. Oui, Livelle, sourd. Je comprends pas, chérie. Oui, Livelle, sourd. Livelle, sourd. Livelle, sourd? T'es sourd? Non, c'est pas ça. Non, mais moi, tu me touches aussi. T'es un amour. Mais moi, je mérite pas tout ça, en fait. Je me dis que je fais pas grand-chose, finalement. Donc, c'est un truc de ouf, comme je vous aime. C'est pour ça que je m'accroche, tu vois. Des fois, quand j'ai des mauvais commentaires, que je me fais striker ma chaîne, tu vois, que je comprends pas pourquoi. Parce que je sais que je suis pas aimée sur YouTube. Hein. Il y a certaines filles qui m'aiment pas, ou qu'il y a des gens qui m'aiment pas, ou voilà. Je sais que je suis pas aimée sur YouTube. Donc, quand vous me dites, voilà, qu'au contraire, je suis juste comme moi je suis en vrai, quoi. Je dis, on peut pas plaire à tout le monde, après, on s'en fiche du reste. Et je suis dingue aussi. Ça, c'est à mentionner. N'oubliez pas, je suis dingue. En tout cas, on adore ta personnalité. Tu es super, mais tellement spontanée, on regrette pas de... Oh, merci, Maya. Merci, les filles, c'est trop drôle. MDR, non, l'heure m'arrange mieux. La mouche, dehors, please. Ouais. C'est ça, en fait. T'as tout à fait raison. Le soir, ok, Cynthia. Les deux, j'aime soir matin, j'adore les lives, mais surtout, c'est toi que... comme ça t'arrange. Oh, c'est trop adorable. C'est vrai que toi, t'es toujours là. J'adore. Lily, j'adore parce qu'elle m'engueule aussi. Elle arrive à la fin, elle me dit... Ouais, j'ai pas été notifiée, comment que ça se fait et tout. Mais je ne sais pas, ne t'énerve pas. je rentre à 20h du boulot, je fais manger ma fille, je mets au dodo et après je peux regarder tranquille. Ouais, c'est clair, t'as raison Fanny, j'essaierai de prendre ça en considération. La mouche est d'accord, le live le soir c'est mieux. Ah Jeanne, j'adore te lire, j'adore tes blagues, j'adore ton humour, j'adore, je t'adore, tu sais que je t'adore. Je te le dis à chaque fois, mais là, sérieux, quoi. Tu déchires tout. J'ai dérapé le doigt. D'accord. Nous, on t'aime, c'est le principe. Moi aussi, Céline, je vous aime très fort. Les partenariats, comment ça marche? Si tu réponds, un abonné et un like de plus. J'ai pas besoin que tu t'abonnes ou que tu likes pour te répondre. Il n'y a pas de souci. Test 22, il n'y a aucun problème. Les partenariats, en gros, il y a des... plateforme qui existe, il y a Octoly, il y a Ivinci, il y a Influence for Brand, mais je vous ferai une vidéo avec ça, si ça vous intéresse. Il y a plein de sites qui proposent, voilà, de mettre en relation les chaînes et les marques. Mais sachez quand même qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire que si vous avez une petite chaîne, c'est difficile de se faire remarquer par les marques. Par contre, ce que vous pouvez faire, et ce qui a marché pour moi, au début de ma chaîne, quand j'avais pas du tout Octoly et que vraiment, ça n'existait pas, il y a 2 ans, voilà, vous pouvez directement demander aux marques où vous commandez de vous parier sur vous et de vous faire rentrer dans leur panel de test. Il n'y a rien à perdre, de toute façon, à le faire. Et donc, il y a ces deux manières-là. Et il y a aussi le fait que vous fassiez régulièrement des vidéos. Les marques, elles regardent certaines... Elles tombent sur... certaines de vos vidéos et votre style ou la manière dont vous parlez ou la manière dont vous présentez, eh ben ça leur donne envie de travailler avec vous. Donc c'est clair qu'il faut jamais négliger la qualité, jamais négliger vos abonnés, parce que les marques regardent aussi la manière dont vous répondez sous les vidéos. Voilà, si vous n'agressez pas vos abonnés, si vous répondez à tous les abonnés, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et ça, ça fait toute la qualité du partenariat ensuite. Donc, soyez déjà rigoureux avec vous et ensuite, soyez rigoureux avec les marques. Voilà, les marques, elles n'ont pas besoin de vous. Hein. En un clin d'œil, elles ont trouvé quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas dénigrer une marque, parce que c'est pas parce que vous ne l'aimez pas, le produit, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va l'aimer. Ça va... Moi, il y a plein de trucs où j'ai adoré les produits, mais au niveau de la compo, je sais que je ne serais pas amenée à racheter, parce que voilà, donc quand c'est les produits finis, je vous le mentionne. Il y a des gens qui sont aussi allergiques à certaines choses, donc je vous le dis. Après, il faut être transparent aussi sur les choses. Le produit peut être super, mais au niveau de la compo, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et ensuite, il y a un produit qui va peut-être ne pas vous convenir à vous parce que vous avez la peau trop sèche, ou au contraire la peau trop grasse et que ce ne sera pas adapté à votre peau. Et ça, en fait, quand moi je fais la demande de partenariat, j'essaye de demander à la marque de m'aiguiller. Parce que clairement, je vais demander via Octoly un produit qui me donne envie, donc que je sais qui me plaira déjà par un certain aspect
Parce que si on fait... Moi, je m'applique à ça. C'est-à-dire que Octoly, on a la possibilité de commander 6 articles simultanément. Et en fait, moi, je m'applique à demander des produits où je sais déjà que j'ai une propension à aimer ce produit. Je ne vais pas demander un produit qui n'a rien à voir avec mon style de consommation et que je sais d'avance qu'il va pas me plaire. Faut juste pas. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas du genre à commander un article pour commander. Tu vois, pour genre avoir des trucs gratuits. Parce que c'est sûr que ça, tu peux le faire, quoi. Je sais pas si vous imaginez. Je vais pas commander, par exemple, une perceuse pour dire que j'ai une perceuse et que je peux vous faire un tuto sur la perceuse alors que l'utilité, c'est juste pour le tuto et qu'après, je vous l'utiliserai plus. Non. Tous les produits que je reçois, en général, et que j'accepte parce qu'il y a plein de partenariats que j'ai n'ai pas accepté de faire. Genre des parapluies. Mais pourquoi je vous présenterais un parapluie, quoi? Allô, les filles? Tu vois? Alors que tout ce que j'accepte de faire comme partenariat, qui est non rémunéré, attention, hein, je ne fais pas rémunérer mes services pour la vidéo, j'accepte les partenariats, donc pas de collaboration. Collaboration, c'est quand... collaboration, si me semble juste, c'est quand les marques vous payent pour faire une vidéo à propos du produit. Et un partenariat, c'est quand la personne, enfin la marque vous envoie un produit pour le tester sans rémunération derrière. C'est un peu compliqué tout ça, mais moi je n'accepte pas encore de collaboration parce que j'estime que j'ai pas. Voilà, je suis qui moi? Je suis personne, tu vois, pour toucher de l'argent de ça, quoi. Enfin, je suis peut-être bête, hein, attention, je profite peut-être pas assez du système. Mais bon, pour l'instant, je me sens tiré mal de le faire. Mais bon. Donc voilà, tu peux soit demander en direct, soit via les plateformes en fait. Alors, je reviens, excusez-moi. Coucou Lena, le soir, m'a dit que c'est ok. Reste comme tu es super. Merci Rania, t'es adorable. On te fait d'énormes gros bisous, t'es un amour, on t'adore. Gros gros bisous, bonne nuit et bonne nuit à tous. Bah ok, bonne nuit les filles. Un tag avec la mouche, demande-lui. Waouh, ça me donne une idée. Ça me donne une idée. Ouais, je vous jure que je vais pas vous louper là-dessus. Un abonné et un like de plus, je t'adore. Mais moi aussi, t'es trop adorable, c'est trop gentil. Et merci de rien. Vraiment, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, si je fais cette vidéo, c'est justement pour ça, pour aider les gens qui ont des chaînes. Peut-être que tu as une chaîne, j'irai checker plus tard. Un tag. Bonne nuit les filles. Bonne soirée ma chérie, bonne nuit la team La Vie en Rose. Bonne nuit ma Sibylle. Comme je peux pas utiliser toutes les marques car j'ai beaucoup d'allergies. Voilà, c'est ça quoi. Allô, t'es une fille. T'as pas de parapluie? Non mais allô quoi? Nabila le retour. Voilà, c'est Jeanne, c'est son humour que je surkiffe quoi. Enfin, vous me donnez la pêche quoi. Léna, est-ce que tu connais une marque pour tester des produits sans être youtubeuse, s'il te plaît? Il y a un site qui s'appelle Trender, T-R-N-D, qui propose, sans être youtubeuse, de tester le produit et de répondre à des questionnaires. Et de poster des avis sur des sites internet type Au Féminin ou tu vois des sites comme ça, des forums comme ça. Donc essaye de te tourner par là et vers ce site-là. Et il y a aussi le Petit Marseillais qui cherche des ambassadrices, pas forcément en fait qui ont des chaînes YouTube, mais aussi des ambassadrices pour publier justement sur les blogs. Donc voilà, ou non, sur les forums. Donc essaye de voir de ce côté-là. Mais c'est les seuls que je connais, sans YouTube. Voilà. Tu es mon rayon de soleil, tu es love, on voit que tu aimes ton taf, ma belle, tu en parles très bien. Merci, ma belle. Après, j'ai un partenariat avec Instant Gaming. Ah ouais, parce que toi, t'es dans le gaming, excuse-moi. Mais je n'ai pas beaucoup d'abonnés car j'en perds beaucoup. J'ai 181 abonnés et je suis pas payée car je veux pas être payée. Ouais, c'est clair. Des fois, il vaut mieux pas, tu vois, enfin, avoir problème comme ça. Je n'ai pas beaucoup. Tu perds des abonnés, tu dis? Car j'en perds beaucoup. Ouais, on a tout ce problème-là en fait. Tous les youtubeurs ont ce problème-là dès qu'elles mettent une vidéo en ligne ou qu'ils mettent une vidéo en ligne. YouTube vous fait perdre en abonnés. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est un bug suite à la mise à jour de novembre? Tout le monde est en panique à cause de ça. Il y a même des chaînes qui ont arrêté d'évoluer
des chaînes. Moi, pendant un mois, j'ai pas pris un abonné. Au contraire, dès que je mettais une vidéo en ligne, j'en avais 10 qui partaient. Et on savait, et je savais vraiment pas pourquoi. Donc pendant un moment, je suis restée à 10 000 abonnés. Pendant 3 mois, je crois, je suis restée à 10 000 abonnés, ça voulait plus grimper. Là, je suis à 11 000, mais je veux dire, la progression. En même temps, je suis pas à la course aux abonnés, quoi. Donc c'est sûr, c'est important parce qu'on se dit, attends, j'en perds. Donc je fais un contenu qui ne plaît pas à ma communauté parce qu'elle se désabonne. Même si tu fais pas la course aux abonnés, que tu vas sur d'autres chaînes dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais il y en a qui le font. Hein, et d'ailleurs, des grandes youtubeuses que j'ai vues il y a 5 ans, j'ai vu des commentaires qu'ils avaient postés sur des chaînes il y a 5 ans, des chaînes que je suis maintenant. Et quand j'ai été dans l'onglet commentaires, j'ai vu, t'es sérieuse que cette youtubeuse-là, elle a été prêchée sa bonne parole et puis elle a été grappillée. Sur d'autres chaînes pour avoir des abonnés, quoi. Alors que maintenant, elles ont beaucoup, 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 beaucoup. Je ne dirai pas de nom, j'ai pas envie de. Je veux pas, je ne veux pas d'histoire. Mais sachez que j'en ai vu, hein, au moins une. Et j'ai été choquée, quoi. Alors, d'accord, merci. De rien, Léna. Pour tester des produits, va voir sur le site Lucette, je pense. Et Beauty Lab, Léna, Boguero. Et sur les sites de marques comme Payot et Sanoflore, ils proposent des tests du produit. Ah ouais? Oh, faudrait que j'essaye! Sanoflore, bah en même temps, ils m'en ont envoyé via Octoly, mais j'ai envie de te dire, j'aime tellement cette marque que franchement, je suis en love de cette marque. Et comme SLA, en fait, c'est mes découvertes YouTube-esque. J'ai envie de te dire, je connaissais pas avant, mais alors depuis que je fais YouTube, c'est les deux marques coup de cœur de ma vie. C'est Serge Louis Alvarez et Sanoflore. Deux marques, franchement, voilà, il y en a très peu qui m'ont fait cet effet-là, quoi, deux marques. Ouais, j'ai réfléchi, mais non, franchement, là, Serge Louis Alvarez et Sanoflore, c'est mes deux. C'est deux bombes. C'est deux bombes, clairement. Ouais. Il y a Sephora aussi, mais Sephora, voilà, Sephora, je connais depuis longtemps. Donc, Sephora, c'était mes premiers achats make-up. Sephora, c'est juste la bible pour moi de l'achat, voilà, incontournable. Mais bon, les découvertes youtubesques, hein, je parle, c'est quand même, voilà, Sanoflore et Serge Louis Alvarez. Voilà, quoi, c'est juste le truc que je recommande à chaque fois, quoi. Je recommande aux gens parce que je trouve que c'est de la super qualité, quoi. Ah, enfin, bref. On est toujours là, nous. Ah, oui! Je reviens dans 2 minutes, merci pour tes conseils, mais de rien, ma belle. Ou monsieur, je ne sais pas. Madame ou monsieur. Je ne connais pas Sanoflore, mais ça me fait envie. Ouais, franchement, je recommande. Je recommande clairement. Parce qu'il y a des sérums, voilà, celui-ci sent très très bon. Il sent le miel et tout. Franchement, si t'as envie de cocooning le soir, tu sais, avant. Ah, monsieur, d'accord. Désolée, excusez-moi. Excuse me. Voilà. Ça sent le miel, c'est mielé, c'est. J'adore, 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 j'adore. D'ailleurs, je sais pas combien il m'en reste, hein, parce que attends, je vais regarder le fond du truc. On voit pas. À mon avis, ça sent mauvais, ça sent la fin, les gars. Attends. Eh ben, nous, alors, on ne te fait pas de l'effet, vilaine. Mais si, tu le sais, oh là là, vous êtes ma plus belle histoire d'amour de YouTube. C'est vrai, franchement, mais si. Quand est-ce que vous allez comprendre que si je suis encore ici aujourd'hui, avec tout ce qu'on m'a fait, hein, clairement, me faire striker, me faire insulter, me faire clasher, voilà, comment te dire? Et si je suis là, c'est pour vous, c'est pour Jeanne, c'est pour Lélie, c'est pour Nathalie, c'est pour, voilà, c'est pour toutes vous toutes qui êtes là comme Nuage qui a fait son coming out ce soir avec nous, voilà, en direct. Non, franchement, vous comprenez pas. Je vous le dis tout le temps, mais vous comprenez pas. Hein. Ça veut pas rentrer dans votre tête. Hein. En gros, je continue pour vous. Voilà, je continue pas. Bien sûr, parce que j'aime ça. J'aime communiquer avec vous. Mais c'est pour vous que je le fais. C'est justement parce que vous êtes derrière, vous m'attendez. Enfin, dire une vidéo par semaine, ce serait pas jouable parce que vous diriez, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle publie pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais non, vous comprenez pas que c'est pour vous que je fais ça, quoi. Enfin, vraiment, sinon, c'est pas pour l'argent, quoi. Clairement, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les partenariats. Voilà, demain ça s'arrête parce que, voilà, eh ben,
C'est que vous qui me manquerez, quoi, finalement. Oui, les marques, je continuerai toujours à les acheter. Je les aime et je les achèterai. Tu vois? Parce que vraiment, je suis convaincue. Et celle-là, ça, nos fleurs, tout ça, ça reste des marques, ça, Sephora, tout ça, ça reste des marques que j'achèterais parce que voilà, c'est dans mes habitudes de consommation maintenant. C'est pas parce qu'on m'envoie un truc que je vais forcément, penser que c'est génial, tu vois, mais forcément, je vais pas. Je vais pas faire en sorte que tout s'arrête demain. Je vous aime de trop, vous me manqueriez de trop, c'est un truc de ouf. C'est en pharmacie, Sanoflore, non, ça me dit quelque chose. En parapharmacie ou en pharmacie, tu trouves les deux. J'aime beaucoup Sanoflore aussi, mais je connais pas. Et celle-là, je vais m'y intéresser. C'est mon banquier qui va être content. Ah ouais, franchement. Ben là, je te dis, la terre de soleil, à part que. Ah là, quand, là. J'ose même pas la baigner, mais il y a mes petits chouchous. Mes petits chouchous, elles sont où? Mes petites chouchous d'amour, elles sont dans une boîte. Elles sont dans une boîte. J'ai pas envie de vous le montrer maintenant parce que clairement ça fait 70 minutes qu'on parle. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ah, ce sera bien. Non, et celle-là, je te conseille. Ah, il y avait un truc que j'avais essayé il y a 2 ans qui m'avait pas convaincue. C'était la première fois. C'était un rouge à lèvres. C'était la première fois. Mais parce que à l'époque, c'était la mode du mat et que celui-là était pas mat et que du coup, je sais pas. Je me rappelle plus. Ou c'était le contraire. C'était un rouge à lèvres mat. Et moi, vu que j'étais pas fan du mat à l'époque. Enfin, bref. Il faudra que je re-regarde. Tu vois? Tu m'as posé la colle. Il faudra que je re-regarde. Parce que c'est pas normal que j'ai pas aimé du SLA, quoi. Et c'est vrai que j'avais. Ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable, tu vois? Et moi, on le sait, mon Kinder, on t'aime trop, trop. Tu es notre drogue youtubesque. Oh, merci, mon cœur. Solène, on t'adore, continue comme ça, tu nous donnes. Ouais, mais c'est vous qui me donnez le sourire. C'est trop. Franchement, ça fait trop du bien. Ça me fait trop du bien. Vous savez pas quel point c'est important pour moi parce que. On s'en prend tellement dans la tronche en fait. C'est ça qui est dur. Mais franchement, voilà, quand j'entends. En fait, ça me rassure que. Ça me rassure. Pas que j'ai besoin d'être rassurée. Non pas que voilà, parce que vous pensez que j'ai confiance en moi, mais en fait, je peux vous jurer, et Sophie peut vous le dire, parce que Sophie, c'est une de mes meilleures amies maintenant. Si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. Hein. Sophie, c'est la rédactrice de la page blog Facebook Beauty by Lamy Staggett. Et voilà, elle me connaît assez que j'ai pas confiance en moi. Et donc, du coup, le fait que vous me le disiez, ça me rebooste en fait pour vous faire des vidéos. Et j'ai pas envie de pleurer. Hein, mais bon. Donc voilà. Vous me faites du bien. Après, je fais 1 à 10 vidéos par semaine, c'est bien. Et l'argent sur YouTube, moi, je l'ai refusé à la place. Je gagne des points pour acheter des trucs pour faire des concours. Alors, ça, c'est une très bonne question. 1 à 10 vidéos, la fréquence, c'est quoi? Si tu fais 1 à 10 vidéos le lundi, tu fais 10 vidéos le lundi, non. Si tu fais une vidéo par jour, et attention que c'est dur à faire, t'es dans le très très bon YouTubeur. Donc il faut juste que tu t'accroches, que tu augmentes la qualité de tes vidéos. Après, je ne sais pas, j'irai checker si tu le souhaites. Il faut que tu augmentes aussi la qualité de tes vignettes, voilà, de présentation de vidéos. Et en général, une vidéo tous les jours, c'est énorme. Et justement, c'est ce qui te montre. C'est ce qui va faire que YouTube va te remonter dans les recommandations, en fait, parce que tu publies régulièrement. Et voilà, environ une vidéo tous les 2 jours. Eh bien, en fait, c'est parfait. Et il faut que tu publies toujours aux heures dédiées. Enfin, comment te dire? Et le site internet dont je vous parle, il y a une fonctionnalité pour savoir quel jour il est plus propice de publier vos vidéos. Donc, pour tous les créateurs, je vous mets le lien de ce. Vraiment, si je vous dis que ce site est fait pour vous, c'est que voilà, il est fait pour vous. Et vous pouvez diagnostiquer les heures de publication qui sont les plus favorables pour publier. Ensuite, l'argent YouTube, moi, je l'ai pas. Je n'ai pas. Je l'ai pas. J'ai pas craché dessus, hein, clairement. Donc voilà, parce que j'achète pas mal. Mais c'est bien que tu gagnes des points. C'est vrai que certaines plateformes le proposent. Je viens d'arriver. Coucou, coucou Viviane. Mais c'est moi, je suis un bisounours et t'es même pas au courant de tes soucis. Il y a vraiment des gens jaloux. Oh, mais non, mais voilà, il faut. Non, faut pas. Faut pas être en colère ni rien du tout, ma belle, parce que moi, je le suis pas.
Ça choque sur le coup, mais franchement, après, voilà quoi, c'est tout, c'est comme ça. Et puis voilà, il faudrait un jour faire un live pour qu'on se présente, pour savoir plus sur nous. Ouais, c'est clair, il n'y a pas de souci, mais ça prendrait longtemps quand même. Ça prendrait longtemps parce que, imagine 11 000 personnes qui se connectent en même temps et qui se présentent. Mon chat, comment te dire? Oui, voilà. C'est vrai, cela fait depuis janvier seulement que je te suis, car j'ai eu ma tablette à Noël. Ah ouais, c'est cool. Et merci à mon mari et mon fils, car grâce à eux, je te connais. Merci Monique. Bah, tu leur feras un gros bisou pour moi et tu leur dis merci aussi pour moi. Non, faut pas pleurer. On n'a pas mis du mascara waterproof, ça va être une cata. Oh mon cœur, t'es adorable. Moi, ça va, il est démaquillé. Nana pue. Environ une vidéo tous les 2 jours. Ouais, ok. Bonsoir, je suis nouveau et j'aurais une question très importante à propos de YouTube. Puis-je vous la poser? Oui, je suis là pour ça, Mathieu, vas-y. Pope Jean, Jeanne, je te conseille de commander sur le site de Sanoflore car tu as des points de fidélité et des avantages. Sur le site de Sanoflore. Sanoflore est un partenaire sur iGraal avec le code Lupiludi. Lupiludi, vous avez 10 € directement sur votre cagnotte avec le code de parrainage. Avec ce code de parrainage, moi je touche 5 € dès lors que vous vous êtes inscrit avec mon code de parrainage. Moi je suis transparente, je vous le dis. Hein, comme ça, c'est fait. Et Sanoflore, vous avez, je crois, 10% de remboursé, si je ne me trompe pas. Mais dès que je mentionne un. De toute façon, j'ai mentionné du Sanoflore, je vais vous mettre le lien. Et je vous mets toujours les correspondances à iGraal. En pourcentage par rapport à ce que vous pouvez toucher comme cashback. Quand vous êtes youtubeuse, surtout quand vous achetez beaucoup sur internet, comme moi, sur Voldemort, sur Sanoflore, sur Clarins, sur Sephora, sur Kiko, voilà, parce que c'est les vidéos en général qui sont le plus regardées, installez cette barre, parce qu'en plus elle vous rapporte. Ah, j'ai failli l'avoir! Elle vous rapporte 1 €, mais utilisez-moi cette application, parce que franchement, en 2 ans, je crois que enfin, je suis pas loin des 300 € quoi, de récupérer. C'est juste énorme. Donc voilà, clairement, allez-y. Ça fait du bien au porte-monnaie, quoi. Voilà, pour répondre à ce que disait Fanny, je passe tout mon temps libre à faire des vidéos en avance et faire du montage. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut surtout pas que tu te démoralises. Je sais pas faire les miniatures de vidéos. Tu pourras nous montrer comment faire? Alors, ça dépend si tu as un logiciel graphique ou pas du tout. Ou si tu as fait avec ton téléphone ou pas, dis-moi, même si je coupe et puis que tu veux me répondre plus tard en commentaire, clairement, ça me ferait plaisir. En fait, moi, toutes mes miniatures, maintenant, je les fais via mon téléphone. Toutes mes vidéos, je les fais sur téléphone avec iMovie. Et maintenant, les miniatures, je les fais avec mon téléphone et je retouche les photos avec des logiciels. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo spéciale sur les applications à avoir sur son téléphone pour bien progresser sur YouTube. Après, je dis pas que je suis la bible de référence, mais en fait, je trouve que les youtubeuses beauté ne parlent pas de leur technique pour faire de la qualité sur YouTube. Donc, moi perso, ça me dérange pas d'en parler, mais voilà. Ce soir, j'ai vu un autre côté de YouTube ainsi que de toi, ma rose, et confiance en toi. Tu as tout pour être heureuse et au top du top. Merci mon cœur! Ça, c'est les plus beaux commentaires que vous pouviez me faire en fait. Parce que c'est vrai que j'ai une vie à côté et que voilà, et qu'il y en a plein. Mais moi, je collectionne pas de timbres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je collectionne le maquillage! Moi, je vais pas dans les concentres moto, tatouage. Je vais pas dans les concentres, tu vois, d'autres choses, quoi. Tu vois, je vais pas faire les brocantes. Je vais pas faire des trucs. Et ben, je fais YouTube, quoi, tu vois. Je fais pas de vélo, je fais pas de sport, tu vois, il y a que YouTube. Moi, voilà, mes calories, c'est vous qui me les mangez. Parce que je parle beaucoup, donc du coup, voilà, je perds du poids à force de faire YouTube. Il faudrait que je me mette à une vidéo par jour. Je pense que du coup, je perdrai très vite, en très peu de temps. À force de dire des bêtises, j'y arrive plus. Je me présente, je m'appelle Henri. Coucou. Coucou, Henri. Oui, bonjour, je m'appelle Henri. Bonjour, Henri. Je suis sobre depuis 3 jours. Je n'ai pas pris de je n'ai pas pris de drogue, je n'ai pas pris d'alcool. Ça tue, c'est mal. Oh, je suis fatiguée, je suis en train de partir dans un truc qui est hors contrôle. Voilà. Je veux bien commander sur Sanoflore, mais je travaille en pharmacie, donc c'est plus rapide pour moi d'acheter. Ouais, c'est clair.
En plus, t'as des pourcentages, donc c'est trop cool. C'est sûr, lol. En fait, je fais du montage pour mes musiques et le souci, c'est qu'à chaque logiciel de montage comme Movie Maker, Camtasia, etc., j'ai des bandes noires sur les deux côtés de la photo et je ne sais pas comment les supprimer. Alors, t'as des bandes noires sur les côtés de ta photo. Tu prends tes photos avec quoi? Ça veut dire que tes photos, elles sont pas au bon format. Quand elles sont intégrées à ton logiciel de montage, du coup, ça veut dire qu'elles ont pas été, elles sont pas bien cadrées. Donc, je pense que tu devrais regarder du côté. Alors moi, je travaille avec Adobe Premiere Pro, donc c'est compliqué de te dire comment recadrer l'image. Mais clairement, normalement, tu devrais avoir une sélection en hauteur et en largeur que tu peux en fait modifier par rapport à l'image et ton cadrage, tu vois. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais normalement tu devrais comprendre. Merci pour ton aide, mais de rien. Franchement, c'est un plaisir. MDR, Girl Power, je collectionne le make-up aussi. Ouais. Mathieu, rajoute les images ou autres. Et dis donc, tu vas à la chasse. Ouais, mais bon, la chasse, elle vient d'ouvrir et tu vois, on n'y est encore pas allé. Alors, j'aimerais tellement t'y voir. Ah bah, il faudrait que je fasse un vlog. Ouais, mais il y a plein de filles qui aiment pas tuer les bébêtes. Mais moi, j'y vais pas pour tuer les bébêtes, en fait. Parce que, de toute façon, oh, je vais me faire tuer si je vous dis ça. En fait, il tue jamais. Mon chéri, ça fait 6 ans que je suis avec. Il n'a jamais tué, en fait. Aura peut-être une fois. Mais en fait, c'est pour le plaisir de les voir rater, en fait, que j'y vais. Et puis parce que c'est des côtes comme ça à monter. Comme ça. Et Seb, il va vite. Donc ça me fait perdre du poids parce que je transpire comme un goré. Et donc c'est un très bon sport de monter des côtes qui sont très très pentues. Et ils les descendent pas, tu vois, ils démontent. Avec les feuilles qui sont mouillées, tu glisses. Avec les bottes, c'est une horreur. Tu tombes dans les ronces, tu te fais arracher et tout, c'est une horreur. Enfin bref, tu te bats, donc ça te fait faire des mouvements et du coup ça te fait ton sport de la journée, tu vois. Et t'as mal aux adducteurs pendant 15 jours. Donc voilà. J'adore regarder tes vidéos, c'est toujours un plaisir. Ta simplicité, ton honnêteté et ta joie de vivre sont un plaisir. Oh merci Céline, c'est trop adorable. Oh, ça me fait trop plaisir. Je prends avec mon téléphone et ça doit être à cause du format. Tout à fait. Ton téléphone, c'est un iPhone ou un Android? Là, je m'appelle Henri. C'était une boutade pour l'idée du live pour que l'on puisse se présenter avec le décalage, la vanne à foirer. Non, elle était pas mal quand même. Ça faisait tout à fait séance, tu vois, d'arrêt de clope ou je sais pas quoi, tu vois. C'est vrai, tu es la seule qui nous donne ces astuces. C'est cool car je commence à peine ma chaîne et je galère dans mes détails comme les miniatures, les montages et autres. En plus, moi et l'ordinateur, ça fait deux. Je te conseille vraiment le site internet dont je parle. Je mettrai en barre d'infos, c'est clair, c'est sûr. Va dessus et bon, après, tu peux, même si tu parles pas anglais, tu prends les termes, tu les traduis. Si t'es pas trop, voilà, si t'es pas trop fan de l'anglais et que l'anglais et toi, ça fait deux, tu pourras quand même réussir à te débrouiller vraiment très bien. Tu es rabatteuse pour les chasseurs avec ton beau coupe-coupe? Ouais, c'est ça. Au moins, ça me permet de voir peut-être des bêtes et tout, tu vois. Et je me perds plus dans les ronces qu'autre chose, mais au moins, j'essaye, tu vois. J'essaye de bouger mes fesses, en fait. J'ai 180 abonnés. J'ai 900 vues en tout sur ma chaîne, mais mes abonnés ne sont pas actifs. Jamais. Là, je les vois pas. MDR. C'est pas ça. C'est que c'est sûr que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, il faut que tu fasses des lives aussi, des lives gaming où tu parles de jeux et tout. Ça peut être pas mal. Les lives en fait sont retransmis par YouTube en direct, donc du coup, les gens qui ont rien à faire et qui vont sur en direct, ils peuvent tomber sur ta chaîne aussi sans le vouloir, tu vois. Donc finalement, ça peut être un bon plan pour le gaming parce que clairement, les filles qui regardent des vidéos beauté en général vont pas sur les lives. Mais les gens qui ont l'habitude de gaming, ils vont sur les chats live du moment. Enfin, et là, je peux plus. Je vais couper, je peux plus, j'arrive plus à parler. Je suis desséchée, j'ai pas de bouteille d'eau à proximité. Quand je vous disais qu'il vous faut de l'eau, à proximité, je rigolais pas. Ah ouais, je suis en train de me dessécher, c'est une horreur. Bientôt une vidéo lifestyle sur la transpi d'un. Oh! Ça tourne mal. Ouais, bah là, ça tourne mal, John, hein, c'est clair. Coucou ma belle, comment vas-tu? Ça va Agnès et toi mon cœur? Oh Agnès, je l'adore. Agnès, toutes mes vidéos, elles me laissent plein de cœur. Je surkiffe. Si tu savais Agnès, le bien que ça me fait de voir tes bisous et tes cœurs et tes. Ah j'adore.
Dès que, quand je te vois, je sais que tu vas me faire une colonie de cœurs qui va me remonter le moral. Et waouh. Agnès, une chouchou aussi qui me suit depuis longtemps. Et vous inquiétez pas, hein, je sais qui commente et tout. J'arrive à vous retenir maintenant. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est là. Je suis contente de te voir ce soir car mon mari est commercial dans ta région, donc pas là. Et je m'éclate avec toi. Oh, merci mon cœur. C'est vrai que c'est pas facile de vivre avec des commerciaux et des routiers et des gens comme ça. Test 22, je t'envoie plein de cœurs aussi. Oui, mais je sais pas faire de live sur console. Alors là, je peux pas t'aider parce que moi, je suis pas du tout dans le gaming. Donc, je connais pas les logiciels qui pourraient te permettre de filmer ton écran ou tu vois. Je peux pas te dire. Pardon, excusez-moi, je reviens. Alors, mon téléphone est un Samsung Galaxy J5, c'est donc un Android. Alors, à ce moment-là, tu dois prendre le format carré, je crois. Il y a un format, il y a des formats prédéterminés, en fait, sur le téléphone. Il faut que tu regardes ton format et ensuite que... Mais tu filmes, du coup, avec ton téléphone, alors? Tu filmes avec ton téléphone? Tu fais le montage avec quoi, alors? Mathieu, quand tu fais tes musiques, tu filmes avec ton téléphone? Parce que dans ce cas-là, il vaut mieux que tu prennes une photo, genre avec Instagram, au lieu de le passer via ton appareil photo téléphonique, enfin téléphone normal. Tu vois, via une application qui peut te le mettre au format à peu près équivalent. Et je comprends pas en fait, tu filmes avec quoi, ton téléphone? Enfin bref, c'est quoi les gloss derrière toi? Les gloss, là? Alors, ceux-là, c'est les encres à lèvres gloss. Non, c'est encre à lèvres de chez Action. Ça, c'est les gloss de chez Action, Max & More. Ça, c'est les Kat Von D. Ça, c'est les Max & More, les encres à lèvres de première génération où j'ai toute la collection. Et là, c'est les Super Stay Matte Ink que j'ai eu de Je mets Maybelline. Voilà. Ah, je vais vous laisser les amours. Je finis les commentaires et perso, je fais une colonie de blagues. Mais j'adore, hein. Moi, j'adore. Va reposer tes yeux, ma Ludie, bonne et belle nuit, en couleur, des énormes bisous, je t'aime trop fort. Moi aussi, je t'aime trop fort. Je t'aime à la folie. À la folie, folie, folie. Bon, merci pour tes conseils, bonne nuit. Merci, Test22, d'être passé. Ça m'a fait plaisir. Bonne continuation, à demain. Ouais, prochaine vidéo, on est demain vendredi, 16h30 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à passer. Hein. Voilà, ce sera... j'ai pas envie de vous dire ce que c'est. Tu peux faire un live direct avec ta console. Mon fils fait ça avec sa PS4. Voilà, alors Magic, si tu veux bien prendre contact avec Test22 et lui expliquer, je t'en supplie pour le dépanner, ce serait super. Viviane, ok, merci bien. Donc sur ce, mes amours, je vous fais d'énormes gros bisous. Sachez que je vous aime très fort, je vous remercie de tout votre soutien. Vraiment, je vous le dis tout le temps, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie pendant un moment parce que j'allais vraiment pas bien. Surtout quand Seb dormait dehors quasi et tout. Bisous, bonne nuit. Ça fait quand je compose une musique, je mets une photo qui est en rapport avec elle. Exemple, ma propre musique du jeu Zelda, je mets une photo d'un live de Zelda avec ma musique. Oui, mais tu publies via quoi? Via un ordinateur ou via ton téléphone? Ça, c'est juste un truc super important. Parce qu'en fait, le calibrage d'une photo ne se fait pas du tout de la même manière sur un téléphone que sur un ordinateur. C'est juste pour ça que je te demande. Bonne nuit, beau rêve en couleur. Bonne nuit, à demain, bisous, bonne nuit. Et de toute façon, t'inquiète pas, Mathieu, parce que je reste en commentaire. Donc, on continuera la conversation en commentaire, il n'y a pas de souci. Magic C, tu peux m'expliquer s'il te plaît? Ouais, il n'y a pas de problème, je vais demander de le faire. Bonne soirée, gros bisous, à bientôt. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime et à demain pour la nouvelle vidéo qui sera à apparaître et qui est surprise. Voilà, je vous laisse. Voilà, je publie via l'ordinateur, je fais du montage sur l'ordi aussi. D'accord, ça marche, ok, donc on continue la discussion en commentaire. N'hésite pas à me mettre un commentaire, hein, que je sache qu'il faut que je te réenclenche la discussion. Mais là, je vais aller boire un litre d'eau parce que je ne peux plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous aime très fort. Salut, salut !